Crac. Hello à tous et à toutes, bande de trucs. Donc, on se retrouve pour un jeu qui a l'air trop bien. C'est Calico. Et pas Palico. À chaque fois, j'ai envie de dire Calico, mais non, c'est pas. C'est Calico. Donc, ce jeu est trop bien parce que regardez, on peut avoir des animaux qui. Donc, ces deux animaux-là, pour information, je les ai changés de taille parce qu'on peut les changer de taille. Du coup, on peut. Dans groupe, quand vous mettez les animaux dans groupe, tout simplement, c'est des animaux qui vous suivent. Pas plus de 5. Dans le café, c'est des animaux qui se trouvent dans les cafés. Et comme vous voyez, il y a encore pas mal d'animaux à trouver ici. Ah, il y en a assez. Hein, vide. Ouais, un bon paquet, hein, comme vous voyez. C'est pas mal du tout. Regardez-moi tout ça. Tous les animaux qu'on peut avoir dans ce jeu. On peut leur mettre des accessoires, mais bon, ici ça sert à rien. Pour moi, j'ai qu'un seul accessoire, c'est ça. Comme vous voyez, ça ne sert à rien. Je vais vous montrer. Regardez, ça, on dirait des cornes de ça ne va pas, hein, on est d'accord. Donc, pour le moment, je n'ai pas d'accessoire rapide pour Sugar. Donc, Sugar, c'est pas un bon nom. Si je trouve que le nom me plaît pas, je peux changer ça par exemple, je sais pas. Je peux peut-être par exemple l'appeler. Allez, je peux l'appeler Monsieur Troutruf. What? Attends, Monsieur. Point. Troutruf. Ah, mais qu'est-ce qu'il me fait lui? Et c'est bon? Oui, c'est bon, maintenant tu peux te remettre en petit. Ou quoi? Truff. Et voilà. Et du coup, dorénavant, il s'appellera. Hey! Et voilà. Et voilà. Et du coup, ça fonctionne. Ça save. C'est bien. Et du coup, dorénavant, il s'appelle Monsieur Truff. Voilà. Et Mister Troutruf, c'est R, donc moi c'est Mister Wouhou, mais là c'est Monsieur Troutruf. Donc voilà. Les autres, je les ai pas changés, donc ça veut dire que lui c'est pas Chase, je l'ai pas changé. Champi, Tigre. Boot, je pense, j'aime bien le nom, mais je pense que je vais le changer. Par exemple, Boot, je vais peut-être le laisser se promener, peut-être plutôt. Peut-être le laisser libre, Boot. Et j'ai changé son nom pour. Parce qu'en fait, je voudrais appeler un autre animal Boot. Donc, on va l'appeler. Par exemple, on peut l'appeler. Lilo, par exemple. Bon, hop. Et voilà. Et du coup, il pourra se promener. Il est libre. Hein, etc. etc. Donc, lui, il va se repromener dans le village. Hein, et il va sortir du café. Et dans le café, ben, je vais peut-être mettre d'autres. Par exemple, vous avez aussi. Que j'ai gardé Tiger que j'ai récupéré récemment et Champi et c'est ça qui est qu'il est et ça c'est le chat par défaut que vous avez au tout début quand donc la marque du jeu en lui-même hein, Calico et du coup ils sont trop choupis et du coup je vais vous montrer. Ah oui, du coup ça permet de agrandir et de rétrécir les animaux. C'est ce que j'ai fait avec avec un des animaux. Le renard il était déjà grand donc du coup il restera hein. Et du coup si vous voulez vu qu'ils sont dans vu qu'ils sont dans le groupe ce qui se passe c'est si je me promène. Bon, j'ai mis mode Naruto donc du coup mon personnage avance en mode Naruto, ça n'a pas de sens mais voilà. Comme vous voyez ils me suivent en fait tout simplement hein, parce que je suis en mode Naruto. Enfin je les ai mis dans un groupe. Alors, ça n'a pas de sens, mais je peux les prendre. C'est un peu gros, quand même. Je peux pas les foutre sur ma tête quand ils sont grands. Mais ça n'a pas de sens, quoi. Bon, tu peux les mettre sur ta tête quand ils sont petits. Mais si c'est pas le cas, et du coup, ben lui, je peux monter dessus. Et lui aussi, hein, regardez, je peux monter aussi. Je peux aussi le prendre. Regardez, hop, vous voyez. Ça marche, et je peux monter dessus aussi. Vous voyez. Et ils peuvent sauter, tout ça. Il n'y a pas de problème avec ça. Voilà. Donc ici, je vais monter sur mon bébé parce que j'adore les renards. C'est un renard polaire. Donc c'est lui qui gagne mon intérêt. Bien sûr, les deux me suivront éternellement dans ce jeu. Allez, hop. Alors des fois, le jeu a des
petit ralentissement, je sais pas pourquoi, mais c'est assez étrange. Ça arrive que le jeu des fois a des ralentissements comme ça pour rien. Regardez, voilà la taille d'un ronron normal. Regardez comme ils sont tout mignons quand on les récupère. Si j'arrive à quitter ce truc là, quand on récupère un petit ronron, voilà ce que ça fait. Et vous pouvez le mettre sur votre tête. J'ai cru qu'il m'attaquait, mais normalement les animaux ne vous attaquent pas ici. Voilà, regardez des petits ours pour le trop mignon. Tous les animaux sont gentils. Donc par exemple, si après je veux carrément monter sur mon animal, je peux monter avec le chat sur ma tête, hein, y a pas de problème. Hein. Pas de souci. Ça n'a pas de sens, mais je peux. Et je peux le reposer. Je peux poser sur la tête de mon renard. Ça marche. C'est excellent, putain. Oh, il est trop choupi. Ce jeu est juste un jeu pour les gens comme moi, quoi. Si je descends, je peux bien sûr le reposer et laisser ce magnifique ronron tranquille. Et si vous avez un autre chien? Non, c'est pas ce que je voulais faire. Donc, par exemple, lui, pareil, hein. Je le prends. Je pense qu'il faut pas le prendre forcément. Je peux dire voilà, Marshmallow, rejoins le groupe. Je relâche. Après, je sais pas, je pense pas qu'il faut le prendre. Et du coup, ils vont tous me suivre. Ça fait beaucoup d'animaux qui me suivent. Hein, ça fait une secte d'animaux. Mais bon, je m'en bats les couilles. J'adore être collé. J'adore ces bêtes. Les ours, je m'en bats les steaks. Voilà, voilà. Il y a un petit lag. J'ai des chutes d'FPS des fois. Je ne sais pas pourquoi. Ça resterait assez bizarre. Donc du coup voilà. Et en parlant de ça, c'est quoi ma quête? J'allais vite vous montrer rapidement le lieu de première rencontre de zone. Du coup, t'inquiétez pas, ils vont suivre. Hein. Ils suivent. Hein. Oui. Je ne suis pas trompé d'animal. Non, c'est bon. Non, c'est le renard, c'est la queue comme ça, etc. Ok. Je vais vous montrer. Si par exemple il y a une sorte de brebis machin, donc c'est ce que je peux faire, c'est de la juste la prendre pour l'enregistrer. Vous prenez l'animal pour l'enregistrer en fait, ou vous montez dessus. Voilà, ça enregistre. Je la laisse tranquille, ça ne m'intéresse pas de ils se rendent tous dedans. Ça n'a rien dit. Hop, on y va, et du coup, c'est tout. Pas besoin de faire plus, et voilà. Je vais vous montrer à quoi ressemble la ville. Ah. Lol, des petits chats. Miaou, 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 miaou. Pardon. Miaou, 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 miaou. Je peux passer. Miaou, miaou. C'est excellent. Des chats. Miaou, 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 miaou. Je peux passer. Miaou. C'est ça. J'ai rien compris. Voilà. C'est génial. Alors, du coup, j'ai mis genre 60 FPS hein, au niveau framerate, parce que c'est du gameplay. Donc, j'avais vraiment une bonne qualité de fluidité tout mou. Très très mou, cette fluidité très très mou. Ils me suivent, ils galèrent pas les coquelicots. Oui, c'est ça. Ils ne galèrent pas les coquelicots. Voilà, c'est ici la maison. Alors, des fois, il y a une femme qui chante. C'est assez sympa. Voilà. Après, des fois, je galère. Là, je vous présente mon chez-moi. Donc, il y a déjà des animaux. Regardez, ils sont là. Là, c'est ma maison, donc je peux faire dodo. Partie sauvegardée. Hop. Du coup, la musique change. Je suis encore tout nu, mais c'est normal parce que quand on commence en fait une partie, on est un peu tout nu, un petit peu. Ah, vous avez vu, ils ne suivent pas. Il manque un client là quand même. Attends, il manque quelqu'un. Il est passé où l'autre? Ça, c'est très étrange. Il manque quelqu'un. Oh, il s'est pété la gueule dans l'eau, le con. Oh, il est bloqué.
C'est mal à ça. Ouais, bon, le jeu n'est pas parfait non plus. Oh. Non, mais tombons pas tous dans l'eau. Non, c'est le renard qui s'est pété la gueule. Ah non, le renard semble un peu plus intelligent, apparemment. Oula, 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 oula. Oh, mon renard. Ouf. Wow. Difficulté sur 20. Bon, allez, ragdollisez pas. Non, c'est... Non, c'est lui qui oublie que... Eh hey, oh. Oh, réveille-toi. On va voir si ça les réinitialise pas. Si, c'est bon. Oui, heureusement qu'ils ont pensé à ça quand il y a des bugs. Ça les fait repopper. Il va où, lui, en fait? Je vois. Il était pas dans l'équipe, lui. Bah oui. Qu'est-ce qu'il fait, marche pas un loup? Ah, il est là. Bon, des fois, il se tape des tripes apparemment en partant on ne sait pas où. C'est un peu chelou quand même. Bon, tu sais quoi, Marshmallow, je t'adore, hein, mais je pense que toi, je vais te dire, jeune homme. Oui. On va te déplacer dans café. Vas-y. Et hop, il part et il retourne au café. Il retourne là-bas dans le café. C'est la manière de marcher, quoi. On dirait qu'il y a eu un truc dans... Enfin, je vais pas dire le mot, mais c'est bizarre. Donc du coup, voilà, c'est des petits bugs, mais c'est rien de grave. Après, tout jeu a des soucis de bugs, hein, ça arrive. C'est assez drôle, quand même, de voir ça. Ça m'a fait rire. C'est assez comique. J'espère que vous m'entendez correctement. Putain, c'est une galère. Ah bon ? Qu'est-ce que tu vends ? Tu vends un chat? Ah non. Tu prends ça. Ça va? En plus, petit chat. Donc du coup, normalement... Oups, c'est pas là. Pas là non plus. Oui, c'est là. Non, c'est pas là non plus. Décidément, j'ai galère. Bon, de toute façon, on n'est pas dans la maison, on s'en branle. J'essaie d'accéder à mon inventaire. Ça y est, il y en a un qui s'est encore paumé, qui s'est bloqué dans le mur. Oh, allez, viens, le pandarou. Oh, bon, il va repopper, c'est pas grave. Ça y est, heureusement, c'est bon, ils ont bien codé le jeu, c'est bien. Hein? Petit comique à toi. Du coup, voilà, c'était Calico. C'était une petite présentation du jeu Calico, du coup, qui est trop beau et qui est trop bien. Ah oui, le premier personnage que vous rencontrez, en fait, c'est elle, hein, qui vous parle, tout simplement, et qui vous aide au début du tutoriel. Et après, bah, c'est pas du tout difficile comme jeu, hein, donc voilà. Ah, donc ici, on va aller de retour au niveau de la montagne. Mais je pense que pour vous, je vais couper... Je vais pas laisser. Pour information, en fait, par défaut, le jeu il est pas au graphisme maximum. Moi, j'ai mis plus haut. C'est où que ça présente? Ouais, c'est dans paramètres. Hein. Oui, voilà, c'est ici. Vous avez joli, bien, simple, rapide. Et par de base, il me semble que c'est en rapide ou le plus rapide. Vous voyez, moi j'ai mis en maximum en ultra. Du coup, le jeu il est vraiment en une. Il peut pas être plus beau que ça en fait. Il est vraiment au maximum. C'est le maximum. Et il tourne bien, hein, il tourne assez bien. Comme vous voyez, des fois il y a des ralentissements, il y a des chutes des framerates, je sais pas pourquoi. C'est assez paranormal. Si j'ai ce corbeau là, je le laisse là, mais il me sert bien quand je vais retrouver mon chemin. Il bouge pas de place, il continue sa vie dans son coin. Donc c'est bien. Alors, pour information, dans ce jeu, vous ne pouvez pas mourir. Donc, ça veut dire que si vous voulez sauter de très très haut, vous pouvez, vous ne crèverez pas. Je vais vous montrer. Hein. Et voilà. Comme vous voyez, je ne suis pas décédé. Le jeu, ce n'est pas un jeu de combat. Hein. C'est vraiment un jeu kill. Je m'inquiète pas pour Pandarou, il me suivra, il repopera. Regardez, il fait n'importe quoi.
Ouah, il s'amuse. Ça va? Ça va, Coco, là? Bientôt changer ton pseudo, toi, hein. Je sais plus comment tu t'appelles, mais on changera ça plus tard. On pourrait t'appeler Zigzaton. Non, je connais. Est-ce qu'il fait le zigzag? Ça. Oh. Attends, je sais pas. Non, c'est par là. Je vais faire attention parce que j'ai pas 10 milliards d'espace sur mon disque dur aussi, donc je vais faire gaffe. Je pense qu'on va revenir là et on va se quitter ici. Hein. En tout cas, c'était une présentation de Calico, un jeu qui a l'air très bien. Du coup, j'ai été par là. Hein. Oui, c'est ça, il y a les ronds. Du coup, on va se quitter ici. Moi, je vais continuer sur mon côté parce que j'ai pas beaucoup d'espace sur mon disque dur, donc je peux pas enregistrer éternellement. Hein. Je vais faire attention quand même. Surtout que c'est en 60 fps, donc ça va prendre pas mal de framerate, d'espace. Donc comme j'ai dit, le jeu est très sympa. C'est juste que des fois, il y a des chutes de framerate. Pour aucune raison, n'importe quel endroit où vous êtes, je chute à 24-25 fps. Donc, en tout cas, on voit qu'il y a un ralentissement. Bonjour, le Bambi blanc. J'en ai jamais vu, mais bon, ok, si tu veux. Du coup, c'est une sorte de cerf, quoi. C'est un daim, un cerf vidé. Du coup, je vous dis à bientôt et portez-vous bien, bande de trucs. Et oui, j'ai mis les yeux en mode renard pour le lol parce que c'est drôle. Après, oui, quand vous commencez le jeu, ben, vous êtes comme ça habillé et c'est au fur et à mesure vous recevez de la thune et des baies, je sais pas quoi là. Et avec ça, vous pouvez acheter des habits. Tiens, truc. Ah, bah, marrant, hein, démonstration. Oula. Ouh, 1000. Ah ouais, ça c'est bien ça. Bah, je vais pouvoir marcher des habits. Lol. Alors, le village de la... Donc moi, j'ai continué de mon côté tout seul. Donc, la ville de rêve, l'équipe de chats bâtisseurs bloquait les routes vers le village, demandait aux habitants de la montagne pour savoir quel est le problème. Donc, du coup, moi, je vais continuer le jeu. Ici, du coup, en ce moment, il est en promo en plus. Donc, ça veut dire que profitez-en. Je sais plus jusque quand, mais voilà, il est à 4€ seulement, ou moins de 4€. Je sais plus, un truc dans le genre, au lieu de 10. Donc profitez-en, achetez-le si vous l'avez pas acheté. Il fait que 500 MB ou un truc comme ça, je crois, donc c'est même pas un jeu lourd. Donc je vous dis ciao ciao, bande de trucs, portez-vous bien. Vous êtes tout mou.